Ok les petits potes, du coup une nouvelle petite vidéo qui pourrait intéresser que ceux qui sont en train de rusher comme moi les défis et les niveaux. Du coup je viens d'obtenir de la custom rase, dans la même semaine j'ai obtenu d'autres custom. C'est assez facile, t'as juste 20 niveaux à monter à chaque fois. Il faut être niveau 130 pour la débloquer du coup en version Chrome. Donc on va voir dans le salon etc avec une danse et tout ce que ça peut donner. Donc on va voir tout de suite le petit skill. En vrai il a l'air badass comme ça, quand même. Hein. En plus, normalement, c'est en version custom spécialisée. Donc, on va faire s'équiper directement. Hein. Bon, d'abord, on va dans le salon. Parce que on va d'abord regarder le petit rase. Je vous rappelle les custom. Attendez, hop. Rase, il est juste ici. Alors là, le petit skin rase. D'accord, ça, c'est les custom qu'on aura plus tard. On aura en des défis pour avoir ces custom. Et du coup, je suis ici. En comme ça, quoi, en gros. Ouais, il est badass, hein, en vrai. Donc, moi, directement, je vais le mettre, les gars. On va mettre ça. On va pas mettre le sac à dos avec parce que ça fait bizarre. On va mettre ce sac à dos à lui. Ou alors au pire. Non, on va mettre le sac à dos à lui. C'est mieux, c'est mieux, c'est mieux. Voilà, on met son petit sac à dos à lui. Voilà, voilà. Donc, voici dans le salon à quoi il ressemble. En vrai, il est badass. On va faire une petite danse. La sienne, par exemple. Ah, elle est pas mal en vrai. À voir comment ça peut tenir en game, les potes. Donc, on va faire cette petite danse là. La petite danse que je vais débloquer tout à l'heure. Ça c'est les danses qu'on débloque en phase de combat les gars quand on fait les défis cette semaine du coup. Donc faites les défis, vous pouvez obtenir ces petites danses, ça fait plaisir. Voilà, les petites danses, on peut faire cette danse là. Non en vrai elle est stylée. Hein. Franchement. Du coup dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de ce skin en version Chrome. Est-ce que vous validez ou non? Moi je trouve qu'il a l'air sympathique à jouer. À voir comment ça donne en game, mais je pense déjà dans le salon. Et il a l'air quand même assez stylé. Bon, je vous montre dans le casier comme à quoi il peut vous ressembler. Donc là, bon, il vole et tout. Franchement, regardez de près. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'aime bien. J'aime bien la version Chrome. Je valide assez bien, en vrai. J'ai hâte de voir ce que ça peut donner, du coup, au level 150. Normalement, c'est le dernier skin de base de combat. Moi, je l'appelle la folle. Parce que dans les games, elle a l'air folle. Mais c'est pas la folle. Vous avez pas capté. Vous avez capté, les gars. Du coup, c'est le petit surnom qu'on donne à certains skins du base de combat. Du coup, eh bien, moi je vais le jouer avec lui tout à l'heure, on va voir ce dans le game. Dites-moi en commentaire quel niveau vous êtes actuellement. Bon, moi, vous voyez bien 130. D'avoir les défis d'aujourd'hui, je les ai là tous finis, littéralement. Là, c'est les défis quotidiens qu'on peut faire assez facilement, vraiment, c'est pas les défis les plus durs. Donc voilà, les défis, j'ai fini, d'autres, j'ai redébloqué. Faut dire, voilà, je rush pas mal. Il me reste encore 30 top 10, ou top 1, ou top 2, top 4, enfin bref, vous avez compris, pour finir celui-ci. Donc en vrai, les défis sont vraiment, voilà, tu les fais facilement en fait. Du coup, les petits potes, moi je vais jouer encore un petit peu, juste à la boutique. Du coup, on se dit à tout à l'heure pour la boutique. N'oubliez pas le petit pouce bleu et de vous abonner. Mettre le petit code qui va interagir la gameuse qui est juste en bas de l'écran. Il faut peut-être que je la change l'image en bas de l'écran. Parce qu'effectivement, que j'ai la même. J'ai toujours le skin Ghoul en une version spéciale. Du coup, on se dit à tout à l'heure pour la boutique. Bye bye.